All, Pinky, H&M et Casedonia. Je pense que je vais utiliser le beau miroir qui est juste là pour montrer également de plein pied, c'est quand même plus parlant. Je commence donc par le collant très prometteur Calzedonia. Voilà, il est comme ceci. Il s'agit donc du Total Shaper Premium, collant sublimant la silhouette, remodelant le ventre, les hanches, les fesses, tout en affinant les jambes. Et c'est un 50 deniers. Je l'ai vu donc sur des mannequins jambes. Il est très opaque, enfin, il a l'air hyper sympa. J'ai pris taille 2 en fonction de ce qui est marqué là, évidemment. Et puis surtout, j'ai envie d'être à l'aise. Je vais l'essayer avec les jupes. J'ai trouvé deux petites jupes chez Pinky. Le prix, je ne vous l'ai pas donné. Hein, ben, je sais pas. Est-ce que j'ai le prix? Oui, je l'ai. J'ai le prix au fond du sac. 14,95€, ouais ça, Calzedonia Chartres, ok. J'espère qu'il tient, hein, parce que alors, moi c'est vrai que l'espérance de vie des collants sur moi, c'est pas ouf. Alors, ensuite, deux jupes, une jupe normale et une jupe short. La vendeuse, moi je n'achète jamais de jupe short, je trouve ça très 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 joli sur les autres. Moi, je sais pas, j'ose pas ou j'ai l'impression que ça ne me va pas. Elle a vraiment insisté, elle m'a dit essayez-le, essayez-le. Je pense que ça, il est super sympa comme modèle. Bon, en plus, il était soldé parce qu'on a toujours plus ou moins des soldes flottants, comme on dit. Une semaine, je crois, une semaine à 15 jours après l'arrêt des soldes. Donc, ce modèle qui est vraiment très mignon, mais je le trouvais un peu court. C'est pour ça que je vais le mettre avec un collant opaque. Voilà, de plus près, il a des petites rayures devant. C'est sympa, hein, la petite ceinture. Et je me suis dit, pourquoi pas, effectivement. J'ai une petite idée de look qui pourrait être très sympa. J'ai pris taille 38, pareil pour être à l'aise, 12€ au lieu de 22€. Et ce modèle-ci, tout à fait classique, un petit peu plus patineuse. Donc on est effectivement sur des modèles courts, je n'en avais pas. Et je me suis dit effectivement, l'automne, tout ça c'est sympa aussi avec des collants épais. 15,99€ taille M, celle-ci n'est pas en... en solde. Elle était très jolie, portée sur mannequin avec petit chemisier blousant. Je le vois avec des bottes, collants opaques, ça peut être très chouette. Je vais les essayer, mais après. Enfin, avec des hauts, je pense qu'ils pourront être sympas. On passe chez H&M, et je commence par ça, ce qui dépasse. J'ai eu un coup de cœur, c'est un petit peu inspiré, un peu beaucoup. Hein. Du sac, tote bag, mais très épais, Dior, qui est quand même à 2700€. On est sur un modèle, vous savez, en toile de jute. Je vous mets juste ici les modèles Dior. Très connu, on les voyait beaucoup, beaucoup, notamment le bleu. Voilà, regardez. Donc, il est vraiment très beau. Je me baladais chez H&M, et moi je marche comme ça, et le modèle m'a appelé, j'ai dit waouh, c'est magnifique. Donc je me suis rapprochée, je l'ai touché, très épais, et je me suis dit ok, ça peut être très beau à la maison, donc ça sera vraiment en déco. Je pense même derrière. Les motifs, donc la toile de jute, ça représente des paysages en général. Là, c'est... des paysages avec des animaux. L'intérieur est très chouette, hein. Il y a même une petite fermeture, il y a de quoi mettre, c'est assez solide, hein. Je pensais que ça allait être un petit peu plus souple et bah, les anses sont épaisses. Et le prix, ce n'est pas 2700€, 29,99€. Il est super joli, c'est pas sûr que je le mette là définitivement, mais dans l'idée, voilà ce que ça donne en déco. Ensuite, chez H&M, bon ça, je ne vais pas l'essayer, c'est un pyjama, mais alors, on est vraiment, c'est ma mère qui me dit, tu savais, prends-le, tu vas être à l'aise. Pyjama, mais alors, pour être à l'aise, confort, c'est le top. Bon, voilà, c'est niqué, très très loose, très long. L'intérieur est, vous voyez, cette matière qui est toute douce. Donc là, pour cette période hivernale, l'automne, il fait pas super chaud, moi, là-haut. Et avec, eh ben, nous avons un legging. C'est la marque Disney H&M. Voilà, j'ai pris taille S. Ah, bah attends, non, je croyais que j'avais pris taille M exprès pour être bien. Qu'est-ce que j'ai? Bah non, j'ai pris taille S. Bon, enfin, ça me paraît très grand. Et c'est l'ensemble coûte 24,99€. Je vais tout de suite le mettre à la vie. Bon, ça, c'est pas à moi, c'est Eric. Lui, là, il fait des purs soldes pour le coup. Deux maillots comme ça qui font un peu polo en solde, très gros solde. 4,99€. Il en a pris deux. Donc, la partie homme H&M juste à côté. Pour ma part, j'ai pris très joli. Je n'ai rien essayé. Flemme, et puis je sais que de toute façon, je pourrais y retourner si jamais ça ne va pas. Regardez.
avec un col blousant, très souple. Derrière, je vais dire que c'est un petit peu comme une goutte, vous savez, avec l'ouverture. C'est très sympa noué et notamment, pourquoi pas, avec la petite jupe. Donc je vais l'essayer et en même temps, je vais mettre et le collant et une des deux jupes. Je vous donne quand même le prix. 19,99€, là on était sur une nouvelle collection, donc ce n'est pas soldé. Alors, le collant, je suis bien contente hein, d'avoir pris taille 2, parce que pour le coup, il sert vraiment. Il est très joli, je l'ai mis avec les boots. La jupe taille 38, c'est mignon, hein, regardez. Je suis un petit peu à contre-jour quand même. Elle est fluide, elle est très agréable. Et le chemisier que j'ai mis à l'intérieur, voilà le résultat. Et ben, c'est plutôt très mignon, je trouve, en tout cas... J'avais peur que ce soit un petit peu large, le taille 38 au niveau de la jupe, bah non, c'est parfait. Je retourne la caméra, que vous puissiez voir quand même de plus près. Donc la manche est blousante. Ici, bah, c'est le fameux petit col. On a un petit lien ici. Et ça fait décolleté quand même assez plongeant. Voilà, plus t'as d'angle, mieux c'est. On ne regarde pas du coup, je me suis étalée hein, avec le haul, il y a plein de fringues derrière. C'est mignon hein. Ah oui, et attends, peut-être mettre, quoi que ça ferait peut-être trop, une grosse ceinture, pourquoi pas. Voilà, j'attendais avant de retirer les étiquettes, parce que là, ça me gêne, mais je valide, donc je laisse. Allez, j'enfile l'autre jupe. Alors, bon, elle est très mignonne, mais elle est quand même très courte. Alors, attendez, voilà, on se rend mieux compte comme ça. C'est mignon, ça, hein, j'avais peur que ça fasse un peu cheap. Non, après, il ne faut pas que tu en mettes trop, enfin, trop d'artifice. Au niveau du fessier, parce que c'est quand même une jupe short, franchement ça va, j'avais peur que ça me rentre trop dans les fesses, mais non. On poursuit ce haul avec, bah, je ne sais plus ce qu'il y a. C'est un sweat Chicago, Illinois, voilà, et il est à moitié bleu-gris, l'intérieur est comme ceci, pareil, tout doux. Non, oui, 29,99€, pareil, nouvelle collection, et bah, je vais l'essayer. Bon, première chose que je constate, hyper agréable. Tu le mets, tu ne le quittes plus. Ouais, j'adore. Alors ça, avec un jean, ça va être très chouette. J'ai encore ma jupe, hein. Donc ça tombe juste en dessous des fesses. Comme je vous ai dit, très confortable, taille S. On est sur une taille S, hein, donc ça se porte hyper ample. Et cette couleur bleu-gris, je trouve très jolie. On continue avec, bon bah, un lot de culottes, toujours pratique, pas donné hein, combien de culottes, taille M, 17,99€, mais il y en a à 7, bon ça vaut le coup, franchement il y en a 7, des couleurs très sympathiques, c'est vraiment les petites culottes confortables, voilà, comme ça. Pareil, quelque chose que j'aime beaucoup porter, j'en ai pas mal, hein, c'est des vestes un petit peu blazer. Cette couleur marron, je n'avais pas. Vous voyez ? Nouvelle collection, taille S, et je ne l'ai pas essayé. Il est quand même, elle n'est pas donnée. 44,99€. Donc, si jamais ça ne me va pas, eh bien, je ramènerai. Bon, clairement, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai fermé. En dessous, j'ai une brassière de sport, donc enfin, je pourrais vous montrer. Le fait de mettre les boutons, ça cintre bien. La couleur, j'avais peur que ça fasse un petit peu terne. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très joli. C'est un joli marron. Et ben, on pourra le porter. Même là, j'ai juste la jupe. Et ben, c'est pas moche. Évidemment, moi, je pense que je vais plus le porter avec un jean. Vous voyez, même comme ça, je trouve que c'est joli avec le collant. Je suis très contente de l'avoir pris. J'avais hésité, je vous dis, mais bah, au final... C'est vrai que le fait que tu puisses les ramener, très jolie veste. Ensuite, et ça tombe très bien que je porte cette veste pour vous montrer, c'est un collier. Un collier argenté, c'est vrai que j'en mets quasiment jamais. Mais j'avais envie de voir si ça me va au teint, parce que finalement je ne sais même pas si je suis plus dorée ou argentée. Donc je vais voir ça. C'est toujours chez H&M, hein. C'est un collier double chaîne. J'ai l'impression que c'est plutôt un choker quand même. Quoique tu peux le mettre plus long. Le prix, 7,99€. Voilà. Pareil, je me suis dit, bon, est-ce que ça fait pas un peu bling bling? Ça dépend. Ça dépend comment tu le portes. Ça
Ça se trouve, ça va être une révélation. Hein. Est-ce que ça tourne? Ah, j'ai plus de batterie, les amis. Voilà, bah écoutez, ce... Voilà, ne vous offusquez pas, c'est une brassière de sport. Voilà, comme ça, hop, on va la fermer, mais elle me sert trop. Ah, je suis oppressée, purée. Elle est très jolie, par contre, chez Decathlon, si jamais ça vous intéresse. Elle sert beaucoup, hein, par contre. Voilà. Oui, donc j'ai terminé ce haul. Il y en a eu pour cher. Je ne vous cache pas. Il y a eu aussi les choses d'Eric. On est sur 160 euros, me semble-t-il. Après, tout me plaît. Tout sera mis. J'en ai terminé avec cette vidéo. La prochaine vidéo sera très probablement... Alors, si j'ai le temps, un vlog. Et si j'ai pas le temps, ce sera la présentation de la box de février. Voilà, bah je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. J'ai tout arrangé. C'est le bazar. Bisous.